se passe-t-il? Pourquoi ne mangez-vous pas les bonnes choses que nous vous préparons? Eh, c'est parce que nous nous trouvons mieux ainsi. Comment? Votre devoir est de manger, de boire et de vous soigner afin de devenir rond et gras et de nous fournir de la graisse. Ah, elle m'a griffé! Puisque c'est comme cela, nous vous considérons comme suffisamment gras. Où nous emmenez-vous? Nous avons un nouveau joujou pour vous. Eh, vous n'avez pas le droit! Pas le droit, c'est ce que nous allons voir. Nous allons chercher du bois pour faire chauffer la marmite. Courage les petits, je vais prier pour vous. Crois-tu que des chats de notre espèce se laissent égorger aussi facilement? Comment croyez-vous vous en sortir? Tu vas voir, nous avons un plan infaillible. Le temps est venu de remplir notre contrat. Préférez-vous que je vous égorge avant de vous trancher la tête? Tranchez-nous d'abord la tête, si seulement nous avions la conscience tranquille. Pars, un miroir, cela vaut mieux. C'est au sujet des 10 000 florins en or de notre pauvre maîtresse. 10 000 florins en or, dis-tu? Où? À qui sont-ils? Parlez! Notre maîtresse nous avait donné cette mission avant de mourir. Un homme honnête et intelligent qui épousera une femme belle, bonne et fidèle. Les florins sont cachés au fond d'un puits et seul un chat peut les récupérer. Nous avions bien trouvé la jeune femme belle, bonne et fidèle. Mais où trouver la monnaie et intelligent? Vous avez trouvé une jolie femme! Où est-elle? Où se cache ma fiancée? Il devient fou! Comment voulez-vous qu'on vous trouve une femme si vous nous écorchez vif? Maudit chat! Vous voulez annuler notre contrat? C'est bien naturel, non? Ah, nous sommes moins cruels que vous le croyez! Tenez, je vous rends le contrat. Quelle avidité! Quel soulagement!